Salut tout le monde, c'est Oki. Aujourd'hui, petite vidéo sur la Castoff 545 équipée du kit de conversion Jack Requiem. J'avais fait la même chose sur la Castoff 762, je voulais voir ce que ça valait sur la Castoff 545. C'est pareil, hein, il y a zéro recul. Les stats sont pas vraiment les mêmes pour tout ce qui est recul horizontal. En revanche, pour le recul vertical, ça restera à moins 100%. Donc, grosso modo, on peut garder le même setup que la Castoff 762, à la différence que le maximum de cartouches est 60 avec la 545. Mais on laisse les munitions à grain élevé pour avoir un gain de vitesse de balle ainsi que le silencieux sonique pour la même raison, parce que c'est ce qui fait défaut à ces deux armes. Et en viseur, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je suis parti sur la lunette Jack sans verre. J'ai une petite préférence pour la Castoff 762 qui a plus de recul, de kick que la Castoff 545, mais en revanche, elle fait plus mal, elle a plus de dégâts. La Castoff 545, dépasser une certaine distance, on a l'impression quand même de tirer des billes parfois. Donc je pense que ce kit va surtout servir pour la 762, mais la 545, on la verra pas beaucoup, je pense. En tout cas, si vous voulez la jouer, voilà la classe setup que j'ai utilisée dans ce gameplay en solo duo. Régalez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Ils sont où les drones là? Je sais pas. Oh, c'est moi, c'est moi! Ah, je peux. Ah, le fils de pute, il me finit, hein! Oh! What the... Troisième marquette.